Le vent a emporté les affaires de nos amis. Sur le chemin, il les a dispersés. Shipper va nous aider à tout retrouver. Shipper, attention, tu as promis de ne rien shipper. Promis. Docteur a perdu sa chaussure, il sautille sur un pied. Aide-nous à la retrouver. Dis, peux-tu voir où elle est? Oui, sur cette branche d'arbre. Oh non, Shipper va essayer de la shipper. Vite, aidons-le à tenir sa promesse. Dis, Shipper, tu as promis. Shipper, tu as promis. Oh oui, désolé. Notre ami Mr. Chicken a l'air bien malheureux. Vois-tu où est son jouet favori? Son camion rouge et bleu? Yes, there it is. Shipper va essayer de le shipper. Aidons-le à tenir sa promesse. Dis, Shipper, tu as promis. Shipper, tu as promis. Oh. Tu as fait Dora, je n'ai rien shippé. J'ai tenu ma promesse. Nous sommes arrivés au pied de la colline aux fraises. Look, voici la maison de ma grand-mère. Elle m'a préparé une bonne tarte aux fraises. Oh oh, je sens que je vais encore me régaler ce soir. Mais il faut d'abord que je retrouve mon lapin câlin. Je me demande où le vent l'a déposé. Shipper a besoin de ton aide pour retrouver sa peluche préférée. Regarde bien et si tu la vois, dis « lapin câlin ». Lapin câlin, tu l'as trouvé. Oh, mon lapin câlin, tu m'as manqué, je t'aime si fort. Merci beaucoup de l'avoir retrouvé. À présent, je vais pouvoir aller dormir chez ma grand-mère. Oh mince! Look, le vent souffle en direction de la tarte aux fraises. Oh non, il va l'emporter, il faut l'en empêcher. Il faudrait arriver à la maison avant le vent et mettre la tarte à l'abri. Vite, vite, il se rapproche. Je sais, je vais utiliser mon super tourbillon maxi-chippant. Oui, oui. Au lieu d'utiliser mon super tourbillon maxi-chippant pour chipper, je vais m'en servir pour empêcher le vent d'emporter la tarte de grand-mère. Ouah, le vent souffle très fort. Écarte les mains comme ça et essaie de créer un mini tourbillon toi aussi. Allez, tourne, tourne, tourne. Ça marche. Encore plus vite. Spin, 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 spin. Hey, look, le super tourbillon maxi chippant de Shipper est si puissant qu'il a réussi à repousser le vent. Pour de bon. Wow. Bravo, Shipper. Réussi à repousser le vent. Ouh, ça fait du bien de faire de l'exercice. Merci de m'avoir aidé. Grandma, est-ce que tu as vu mon super tourbillon maxi chippant? Oui, c'était très impressionnant, Shipper. Tu étais aussi rapide que le vent. Dora, Babouche, voulez-vous dormir chez ma grand-mère ce soir? Oh oui! Il faut demander la permission à ma mamie. Et à mon daddy. Je vais les appeler. Entrez! Nos parents nous ont donné la permission de dormir chez la grand-mère de Shipper ce soir. Hurrah! Et Shipper nous a prêté un pyjama parmi les siens. Which pyjama do you like the best? Regarde, quel est ton pyjama préféré? Oh, je l'adore, moi aussi. C'est celui que j'ai failli choisir. Great! Nous avons aidé Shipper à retrouver toutes ses affaires préférées. Et nous allons pouvoir dormir tous ensemble. Chez ma grand-mère. Butterflies! Petit papillon! Ça y est, ils nous ont entendus. And look, ils viennent à notre rencontre.
C'est un escalier fait avec des nuages. Butterfly, je suis bien content de te voir. Tu arrives juste à temps pour le bal. Enfin, te voilà. Allons accueillir tes amis. Welcome to the Butterfly Ball. Soyez les bienvenus au bal, les amis. Allons, approchez, approchez. C'est l'heure de choisir vos ailes magiques. Je voudrais des ailes de papillon. Oui, moi aussi, moi aussi. Eh bien, moi, j'aimerais des ailes de luciole. Et moi, je voudrais des ailes de libellule, s'il vous plaît. À ton tour, choisis les ailes que tu préfères. Oh, very good. Quand tu verras la poudre magique scintiller dans le ciel, agite les bras de haut en bas pour recevoir tes ailes. Tu es prêt? C'est parti! Va des ailes! Allez, flop, flop, flop! Plus vite que ça! Flop, flop, flop! C'est bien! Agite les bras! Flop, 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 flop! Nous sommes arrivés à destination. Nous avons nos ailes. It's the Butterfly Ball. Pas des ailes avec nous. On s'en va. Look, nos amis aussi ont des ailes. Allons à la bibliothèque avant la tombée de la nuit. Les cochons pirates ne distinguent pas le rivage car il ne fait plus assez clair. Quel dommage! Et Nightlight a guidé les cochons pirates jusqu'au rivage. Dis go Nightlight, go Nightlight! Very good! Ils vont pouvoir accoster! Ohé, matelot! Allons à la bibliothèque avant la tombée de la nuit. Nightlight. Oh, oh, je crois que j'ai entendu Shipper. Hein? Shipper? Oui, ce coquin de renard essaie toujours de nous shipper nos affaires. Si tu vois Shipper le premier, dis Shipper. Shipper. Attention, le voilà. Shipper, arrête. De shipper. C'est trop tard. Vous ne retrouverez jamais votre veilleuse. Nightlight. Nightlight. Tout va bien, je n'ai rien. Mais venez me chercher, please. J'ai besoin de ton aide pour retrouver ma veilleuse. Cherchons sa lumière. Si tu vois une lumière, dis light. Light. Est-ce ma veilleuse? Non, c'est un ver luisant qui mange une glace. Continuons nos recherches. Light! Is that Nightlight? Non, ce sont des grenouilles qui dansent. Light! Is this Nightlight? Oui! Bravo, tu l'as trouvé! My friends. Youhou! Nous sommes arrivés à la bibliothèque. Tout va bien, je suis là, les poussins. Babouche a ramené Dora. C'est veilleuse. Youpi! Vous arrivez juste à pouvoir lire une histoire. Oui! Merci d'être allé chercher Dora et sa veilleuse. Cette fois, ça y est, le soleil est couché. Dora?
Aide-moi à recharger ma veilleuse pour la faire briller très fort et lire une histoire aux poussins. Tends la main en avant et tourne la manivelle. Tourne, 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 tourne. C'est l'heure de... lire une histoire! Une histoire! Une histoire! Une histoire! Peux-tu nous lire la légende du grand poulet rouge, Dora? S'il te plaît! Yes, of course, little chick! Oh, mais je la connais déjà! C'est l'histoire d'un petit poulet qui devient très grand! Oh! Je suis sûre que ça va beaucoup vous plaire! Il était une fois un petit poulet rouge qui vivait sur une grande colline rouge! Le petit poulet rouge était vraiment très petit. Il n'arrivait pas à courir aussi vite que ses amis. Il était si petit qu'il devait prendre bien garde à ce que ses amis ne lui marchent pas dessus. Il était très triste d'être aussi petit. Mais une nuit, alors que le petit poulet allait se coucher, il vit des étoiles qui dessinaient dans le ciel la forme d'un immense poulet. Et là, à la lueur des étoiles, il fit le vœu de grandir. Et devinez ce qui se passa le lendemain matin. Quand le petit poulet rouge se réveilla, il n'était plus aussi petit que la veille. Il était devenu un grand poulet. Aussi grand que la maison. Le grand poulet rouge était si heureux qu'il se mit à danser la danse des poulets en battant des ailes et des pattes. Je crois que c'est mon histoire préférée, Dora. Merci de nous avoir lu une histoire, Dora. Et merci à toi, Nightlight. Nous n'aurions jamais pu lire cette histoire sans ta jolie lumière. Super! Je suis très contente que le facteur m'ait apporté My Ribbon. Je crois que j'ai entendu Shipper le renard. Oh non, pas lui! Ce coquin de renard essaie toujours de nous shipper nos affaires. Si tu vois Shipper le renard, dis Shipper! Est-ce que tu as vu Shipper? Où ça? Oui, c'est bien lui! There he is! Shipper, arrête de shipper! C'est trop tard! Oh non! My ribbon! Vous ne le retrouverez jamais! Ce renard rusé a chippé le beau ruban arc-en-ciel de Dora. Il faut absolument qu'on le récupère. J'en ai besoin pour danser au spectacle de fin d'année. Si Dora ne peut pas danser, il faudra tout annuler. Don't worry, babouche. On va le retrouver. On a juste besoin de savoir où il est tombé. Il faut vite qu'on trouve mon ruban arc-en-ciel pour que je puisse danser au spectacle. Aide-moi à trouver my ribbon. Hé, j'aperçois quelque chose de multicolore dans cet arbre. Is that my ribbon? Non, c'est un hara rouge. Is that my ribbon? Non, c'est un serpent. Is that my ribbon? Yes, there it is! Tu as trouvé my ribbon! Il est accroché en haut de ce mât numéroté. Il est perché très haut, Dora. Comment va-t-on faire pour l'attraper? J'ai une idée! Je vais utiliser ces anneaux pour me balancer et attraper my ribbon. Oui, tu vas y arriver! Attends, je vais te pousser, Dora. Merci, babouche. Oui! Quel est le chiffre qui s'allume sous mes pieds? Oui, 4. Pour atteindre my ribbon, faut-il que je me balance plus haut ou plus bas? Plus haut, oui. Il faut demander à Babouche de me pousser plus fort. Pousse-moi plus fort, Babouche. D'accord, Dora. C'est parti. Jusqu'à quel nombre suis-je montée cette fois? 10. Oui, jusqu'au 10. Pour atteindre my ribbon, faut-il que je me balance plus haut ou plus bas? Plus bas, oui! Il faut que Babouche me pousse moins fort! Un tout petit peu moins fort, Babouche! D'accord, Dora! Jusqu'à quel chiffre suis-je montée cette fois?
Et voici My Ribbon. Dora, tu as récupéré ton ruban arc-en-ciel. Et comme tous les ans, j'ai demandé à ma meilleure élève de danser avec un ruban pour ouvrir les festivités. Alors encourageons-la, je vous demande d'applaudir bien fort Dora. N'oublie pas qu'à la fin de mon numéro de danse, j'aurai besoin de ton aide. Je lancerai My Ribbon, tu l'attraperas et tu diras « La gymnastique, c'est fantastique !» Essaie toujours de nous shipper nos affaires. Non, Sparky, je ne vois pas Shipper, moi non plus. Mais il y a un cheval là-bas. Attends une seconde. Est-ce vraiment un cheval? Bien sûr que oui, je suis un cheval. Mais les vrais chevaux ne parlent pas comme ça. Mais si, écoute. Mais. Les chevaux font-ils Non. Qui est caché sous ce costume de cheval? Mais oui, c'est Shipper! Oh non, il va essayer de shipper les bonnes pommes de Sparky! J'ai besoin de ton aide pour arrêter Shipper! Il faut que tu dises « Shipper, arrête de shipper !» Dis-le avec nous! Shipper, arrête de shipper! Shipper, arrête de shipper! Shipper, arrête de shipper! Oh mince! Woohoo! Nous avons arrêté Shipper. Let's go, Little Horse. Regarde, nous sommes presque arrivés à la ferme. What's wrong, Little Horse? Oh, toi aussi, tu vas me manquer, Sparky. Mais je viendrai te rendre visite souvent. Mais oui, bien sûr, je t'aime très fort, mon beau cheval. Et je demanderai à ta propriétaire la permission de te monter, je te le promets. Oui, et je t'apporterai de bonnes pommes de mon jardin. En avant, le dernier arrivé a perdu. Nous sommes arrivés à la ferme. Oui, je sais, tu as encore gagné. Tu gagnes toujours à la course. Brouette, et la voilà qui dévale la colline avec des poussins à l'intérieur. Oh non! Les poussins risquent de tomber dans le ravin. Come on, Sparky! Nous devons arrêter cette brouette. Aide Sparky à courir plus vite en l'encourageant en anglais. En anglais, vite se dit fast et plus vite se dit faster. Dis faster, little horse. Faut-il dire? Oui! Faster, little horse!
devons arrêter la brouette à temps. Tu te débrouilles drôlement bien en anglais. Very good, Sparky. Tu es rapide comme l'éclair. Tu as bien mérité la dernière pomme. Dora, Sparky, vous avez secouru mes petits poussins. Oh, thank you. De rien, c'est normal. Et merci à toi également. Dora, nous avons discuté avec la propriétaire. Elle sait combien tu adores Sparky. Et je sais aussi que c'est réciproque, pas vrai? Alors dis-moi, aimerais-tu le monter tous les jours? Oh oui, j'adore. Eh bien, tout a été réglé pour que Sparky vienne habiter chez nous. C'est vrai! That's awesome! Thank you! Thank you, Mommy and Daddy. Sparky! À présent, on pourra faire de grandes promenades ensemble tous les jours. I love you, my little horse. Hé, hey, regardez! C'est Totor le taureau! Avec ses petites grenouilles! Quoi? 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 Norou, norou, norou! Ne dis donc bien, Dora, j'ai justement besoin de ton aide. Qu'est-ce qui t'arrive, Toto? J'ai rencontré ce coquin de shipper, il m'a shippé mes deux roues. Et sans mes roues, je ne peux pas faire démarrer mon scooter. À présent, je suis certain d'arriver le premier. Look, shipper fonce vers la colline. Oh non, il va prendre de l'avance sur nous. Il va vite sur sa planche à roulettes tigre. Don't worry, puppy, it's okay. On va le rattraper à l'aide du super scooter de Totor. Mais il faut d'abord qu'on trouve les roues manquantes. Oui. Si tu vois une roue de scooter, dis roue. Roue. Il nous en manque encore une. Si tu la vois, dis roue. Roue. On a trouvé les roues du scooter. Quoi? 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 Scooter, scooter, scooter! Montez, les amis! Plus vite, Totor! Accélère! Allez, il faut qu'on aille encore plus vite! Quoi? 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 Fusée, fusée, fusée! Waouh! Le scooter de Totor est équipé d'une fusée! Oh non, revoilà Shipper le renard. Il veut nous shipper notre cadeau. Si tu vois Shipper le renard, dis Shipper. C'est Shipper! There he is! Il est équipé d'un mini réacteur dragon. Il ne faut surtout pas qu'il arrive à la colline des surprises avant nous. We can help. Yeah! C'est notre ami Roberto le robot. Avec Yo-Yo, son robot perroquet. Come on, my friends, hop on. Oui! Quick! Il faut qu'on rattrape Shipper. Aidons tous Yo-Yo à battre des ailes super vite. Écarte bien les bras comme ça et bat des ailes, bat des ailes, bat des ailes. Allez, continue encore plus vite. Flap, 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 flap. Et voici la colline des surprises. Hurra! On a battu des ailes super vite. Oui, et regarde, on est arrivé au cadeau surprise de Puppy avant ce coquin de renard. Mais, oh, Shipper n'a pas dit son dernier mot. Nous allons avoir besoin de ton aide pour l'arrêter. Il faut que tu dises « Shipper, arrête de shipper ». Dis-le avec nous bien fort. Shipper, arrête de shipper. Shipper, arrête de shipper. Shipper, arrête de shipper. Oh, mince! Oh, 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 mince! Nous avons arrêté Shipper! Bye.
Floppy est tout excité d'avoir son cadeau. Il a hâte de voir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est un cadeau surprise magique. Pour l'ouvrir, il faut prononcer une formule magique. En français, nous disons « Ouvre-toi, surprise !» En anglais, la même chose se dit « Open up, surprise !» Vas-y, essaie de dire « Open up, surprise !» Tu parles très bien anglais. Dis « Open up, surprise !» Plus fort que ça! Open up, surprise! Oui! Le cadeau surprise contenait plein de nouveaux jouets, des biscuits et un nouveau pyjama pour Puppy! Oui! Et plein de bons nonos à ronger! Come on, my friends! J'ai aussi invité tous les amis de Puppy! Oh, Puppy veut partager ses cadeaux avec ses amis! Regarde, ils jouent ensemble! C'est la fête des petits chiens! Pour ce que tu fais très bien aujourd'hui, il y a toujours une première fois. Comme pour mon vélo de grand! Là-bas, il t'attend. J'ai hâte de l'essayer, crois-moi. Pour la toute première fois, toute première fois. Chemin. Elle a l'air un petit peu fébrile. Elle tient une corde à sauter dans les mains. Mais sauter ce n'est pas facile. Allez, encourage Vera avec nous. Dis, tu vas y arriver. Encore une fois, tu vas y arriver. Youpi, elle saute à la corde. Pour la toute première fois, toute première fois. Tout dépité, il voudrait bien tenir debout, mais il n'arrête pas de tomber. Allez, encourage Tico avec nous. Dis, you can do it, Tico. Plus fort que ça, you can do it, Tico. Youpi, il fait du roller. Pour la toute première fois, toute première fois. Bonjour madame, on vient chercher un vélo tout neuf pour mon ami. Oui, oui, oui. Il est réservé au nom de Babouche le singe. Il est sûrement à l'intérieur, allez voir. Je vous rejoins tout de suite. Waouh! J'adore cette boutique, il y a des vélos partout. Regarde, est-ce que tu reconnais le tien? C'est peut-être... Oh, on va regarder sur la carte que tu m'as donnée. Aide-nous à chercher le vélo de Babouche. Regarde bien, c'est un vélo jaune à deux roues avec un bel avertisseur rouge. Ce vélo est-il de la bonne couleur? Oui, a-t-il le bon nombre de roues? Non, ce n'est pas un vélo, c'est un monocycle. C'est un vélo de cirque. Essayons celui-ci. Est-il jaune et a-t-il deux roues? Oui! Mais a-t-il un avertisseur rouge? Non, ce n'est pas le bon non plus. Et celui-là, est-il jaune à deux roues avec un avertisseur rouge? Oui! Est-ce le vélo de Babouche? Yes, absolutely! Très bon sens de l'observation! C'est mon nouveau vélo! Tu l'as trouvé! Merci, thank you! À présent, je peux partir en balade! Je crois qu'il te manque encore quelque chose, Babouche! Quand on fait du vélo, il faut se protéger la tête par mesure de sécurité! Que manque-t-il à Babouche? Un casque, oui!
Voici ton casque, Babouche. Pour protéger ma tête en cas de chute. Il faut toujours penser à mettre son casque quand on fait du vélo. J'y penserai, promis. Est-ce que tu es prêt à essayer ton vélo? Oui, je veux faire du vélo, je veux faire du vélo. Babouche va monter sur son vélo neuf et essayer d'en faire pour la première fois. Oh, je suis super content. Tu veux bien me pousser au début, Dora? Oui, bien entendu. Est-ce que tu es toujours derrière moi, Dora? Non! Je t'ai lâché, Babouche! Tu fais du vélo tout seul! Regarde-moi! Regarde-moi! Je fais du vélo tout seul! Sans petite roue arrière, comme un grand! Pour la première fois! Youhou! Allez, Babouche! On est allé chez le marchand et Babouche a étrenné son beau vélo neuf! Vite, vite en avant! Ne perdons pas de temps! Pas question de traîner si nous voulons arriver au grand concours de talent! Yeah! Je vais m'entraîner à jongler en chemin pour être prêt pour le spectacle! Je crois que j'ai entendu Shipper le renard! Si tu vois ce coquin de Shipper, dis Shipper! Shipper! Yes, there he is! Que va-t-il essayer de shipper? Les belles bananes! Shipper, arrête! De shipper! C'est trop tard! Vous ne retrouverez jamais vos bananes à présent! Oh, mes bananes! Je ne vais pas pouvoir jongler au spectacle. Mais si, Babouche, nous allons les retrouver. Comment va-t-on faire? Elles sont perchées sur les branches. Do you need help? Yes, thank you, Mr. Toucan. Mr. Toucan va nous aider à récupérer les bananes. Il faudra simplement lui demander de me les donner ensuite. Mais attention, Mr. Toucan parle seulement l'anglais. Alors il faudra dire en anglais, pass them to me. Vas-y, essaie de dire, pass them to me. Great! Aide-nous à trouver les bananes. Bananas en anglais. Are these bananas? Non, ce sont des chenilles. Continuons à chercher. Are these bananas? Oui! Dis, pass them to me. Pass them to me. Cherchons les autres bananes. Are these bananas? Nous ne sommes pas des bananes, mais des abeilles. Continuons à chercher. Are these bananas? Yes! Que faut-il dire? Pass them to me! Oui, tu as retrouvé toutes mes bananes. Thank you. Tu te débrouilles bien en anglais. And thank you for your help, Mr. Chicken. You're welcome, my friends. See you soon. Cool, je vais pouvoir jongler avec mes bananes au spectacle. Ouh, ouh, ah, ah. Allons-y, Totor. Dora, Babouche, Totor. Great to see you. You're here. Le spectacle peut commencer. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ladies and gentlemen, welcome! Soyez les bienvenus au concours de talent! J'ai l'honneur de vous présenter mes camarades bourrés de talent! Les amis, nous allons commencer notre super show, il ne faut pas le rater. Chacun va faire de son mieux en direct et sous vos yeux. Yeah! C'est le moment de monter sur la scène et d'être brillant. Pour partager nos talents ensemble, de long, le meilleur de tout cœur maintenant. Oh, 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 le grand concours de talents. Avec Babouche qui jongle en cadence. Ses bananes volent dans les airs. Et Vera et ses fleurs se mettent à chanter. Sing, 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 sing. Grand poulet
je fais un tour de magie. Abracadabra. Il va vous étonner. Etico à sa noisette, percussion, Hitio Conga. Il est prêt à jouer. Applaudissez tous, car voilà notre meilleure danseuse de salsa. Conga. Sur la scène et d'être brillant. Pour partager nos talents, ensemble donnons le meilleur de tout cœur maintenant. Pour le grand concours de talents. Oh yeah! Faisons ouvrir le skatepark aujourd'hui. Ce petit landau n'a pas l'air rassuré. Pour le faire sortir de sa cachette, dit comment? We're going to open skate park for all our friends. Good luck, Dora and Babouche. Il y a des virages, des creux, des bosses. On va glisser avec nos amis. Faisons ouvrir le skate park aujourd'hui. Faisons ouvrir le skate park aujourd'hui. De renard essaie toujours de nous shipper nos affaires. Il va essayer de shipper mes rollers tout neufs. Hey, Puss! Don't worry, petit roller, nous savons comment l'arrêter. Si tu vois Shipper, dis Shipper! Tu as vu Shipper? Où ça? Derrière nous? Mais non, c'est un buisson. Est-ce vraiment un buisson? Right, il y a quelqu'un caché derrière. C'est Shipper. Attention, le voilà. J'ai besoin de ton aide pour arrêter Shipper. Dis, Shipper, arrête de shipper. Vite, dis-le avec nous. Shipper, arrête de shipper. Shipper, arrête de shipper. Shipper, arrête de shipper. Oh mince. Oui, nous avons arrêté Shipper. Very good. Nous sommes arrivés au skatepark. Mais ces énormes roues nous bloquent le passage. Nous allons trouver un moyen d'entrer. Allez-vous-en, le skatepark est fermé. Oh. Attention, le voilà. Gros Quad. Parfaitement, c'est moi, Gros Quad. Et désormais, le parc m'appartient. Vous feriez mieux de décamper en vitesse, bande de minus à roulettes. Laisse-les tranquilles, Gros Quad. Le parc appartient à tous les enfants. Oui. Pourquoi empêches-tu nos amis de venir y jouer? Parce que je m'appelle Gros Quad et que je fais tout ce que je veux. Eh bien, je m'appelle Dora et voici Babouche. Et moi, je suis Diego. Tu te conduis mal envers les autres, il faut que tu arrêtes. Oui, tu n'es pas gentil. Oh, vous êtes bien courageux tout à coup, les rollers. Mais que ferez-vous quand Dora et Diego seront partis, hein? Qui vous protégera? Moi? Oui, et moi aussi. And so will I. Comptez sur nous. Nous compterons les uns sur les autres. Et tous ensemble, nous serons plus forts que toi. Nous ne te laisserons plus jamais nous embêter. Plus jamais. Oh, bon, eh bien, si vous êtes tous contre moi, alors je crois que je n'ai plus qu'à m'en aller. Waouh, il a vraiment l'air malheureux. Tu devrais peut-être aller lui parler, Dora. Good idea, cousin. Gros Quad. Oui? Nous ne te chassons pas. Tout ce que nous voulons, c'est pouvoir patiner sans que personne ne nous embête. Tu peux rester si tu promets de bien te conduire et de partager le parc avec nous. Really? Yes, of course. Et ça te fera du bien d'avoir des amis. Mais voudront-ils être mes amis? Bien sûr que oui. Et si jamais un jour quelqu'un essaie de t'embêter, on te protégera, tu verras. Wow! That's great, thank you. Dora, Babouche, avez-vous envie de faire un petit tour de quad? Oh oui,
avec plaisir, gros quad. Attachez vos ceintures, ça risque de secouer un peu, les amis. Ceinture pour plus de sécurité, youhou! C'est bon, vous êtes prêts? Alors accrochez-vous bien parce que ça va décoller! On glisse, on a fait rouvrir le skatepark. C'est encore plus génial que je ne le pensais. Il y a des rampes et des plans inclinés. Avec nos amis, on peut jouer. Il y a des virages, des courbes, des creux, des bosses. On glisse avec tous nos amis. On a rouvert le skatepark aujourd'hui. Oui, on a rouvert le skatepark aujourd'hui. Regarde cette rivière qui monte et s'élance vers le ciel. Et ces tasses en forme de fleurs, toutes sortes des tartines beurrées au miel. Ce pichet qui joue au baseball. Troll, ce sanglier qui est d'un ennui. Et je n'ai jamais vu une commode faire de la peinture, les amis. C'est le pays des merveilles. Vive le pays des merveilles. Un cheval en ce moment. Merveilleux. Dans ce monde étrange, à chaque instant, nous sommes surpris. Les tulipes font des bisous. Les crèmes glacées poussent des petits cris. Oh! Un arbre chien peut aboyer. Oh! Et une vague téléphone sonner. Allô? Oui, quand ton monde est tout retourné, c'est que tu es arrivé au pays des merveilles. Vive le pays des merveilles. C'est le pays des merveilles. Vive le pays des merveilles. Waouh, j'adore le pays des merveilles. Oh oui, moi aussi. Mais il faut retrouver les chatons et les ramener à la maison, d'accord? Oui, je me demande où ils sont. Miaou, miaou, oh. Miaou, miaou. It's the kitties. Les chatons. Look, est-ce que tu les vois? Où ça? Yes, there they are. Ils courent toujours après le lapin blanc. Rabbit! Rabbit, attends-nous! Oh non, ils s'en vont! Come on! Oh là 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 là, ce lapin a l'air vraiment pressé, Dora! Oui, en effet! Oh là là, j'ai tant de choses à faire et si ça continue comme ça, c'est clair que moi je vais m'y perdre et que je vais être en... Oh mince, oh flûte, oh mais, et zut! Oh non, faut que je sois... Quelle heure est-il? Je suis en retard, j'ai mal à la tête, bizarre. Mais pas de vous, vous traînez, quelle heure est-il? Je dois livrer ces tartelettes avant le début de la fête. S'il va le curly chip, quelle panique! Je peux plus attendre, il faut comprendre que je dois cesser de chanter au plus vite. Faut que je file, que rien ne m'arrête, elle va commencer la fête. Et le seul truc que j'ai en tête, c'est de me dépêcher et d'arriver. C'est pas les popettes, quelle heure est-il? Le lapin blanc se rend au goûter de la reine. Attends-nous, Rabbit. Oh non, 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 non. Il faut que j'apporte ces tartelettes à la fraise sans me les faire chipper par le valet de cœur. À qui ressemble le valet de cœur? Un shipper. That's right. Miaou, 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 miaou. Ils se sont faufilés à l'intérieur du terrier. C'est trop étroit, on ne peut pas les suivre. Mais il faut qu'on retrouve les chatons. Nous allons chercher un autre chemin pour aller au goûter de la reine et nous les retrouverons là-bas. Excuse me, sir. Yes? Nous nous demandions si vous pourriez... Vous donner un chapeau? C'est-à-dire que nous n'avons pas besoin de... Bien sûr que si. Un chapeau, ça ne se refuse pas. Vous avez frappé à la bonne porte. Chapeau! Oh, moi j'ai tant de chapeaux! Quelle que soit votre envie, j'ai le chapeau qu'il vous faut! Venez, essayez, suffit de trouver le bon chapeau, celui qu'il vous faut! Oui! Je trouverai le chapeau qu'il vous faut! Wow! Tu as vu tous ces chapeaux? Oui! Ceux qui portent ce chapeau luttent contre le feu! En quoi nous a-t-il déguisé? Oui! En
pompiers. Ceux qui portent ce chapeau font respecter la loi. Oh yeah. En quoi nous a-t-il déguisé? Oui, en policier. Quand on voit ces chapeaux, le cirque n'est jamais très loin. Et cette fois, c'est en quoi? En clown, yes, très bien. Un casque pour le fond des mers et un autre pour l'espace. Peu importe le chapeau, trouve celui qui te faut. S'il pleut, ce chapeau te protégera bien. Cette casquette sera parfaite pour conduire un train. Un chapeau rouge ou bleu, c'est beau. Venez, trouvez le chapeau qu'il vous faut. Il faut juste trouver le chapeau qu'il te faut. Qui es-tu, petite fille? Je m'appelle Dora, votre majesté. Et lui, qui est-ce? Et pourquoi porte-t-il des bottes rouges? C'est Babouche, et il ne se sépare jamais de ses bottes. J'adore mes bottes. Eh bien, pas moi. Qu'on lui retire ses bottes. Non! La fille a dit non! Elle a dit non! She said no to the queen! Personne ne dit jamais non à la reine! Qu'on lui prenne son sac à dos! Miaou, miaou, miaou. Regarde, Dora! Ce sont les chatons! Kitties! Majesté, majesté, me voilà! Et regardez ce que je vous ai apporté! Oh! Des tartelettes! De délicieuses tartelettes à la fraise! J'adore, j'adore! Les tartelettes, elles sont toutes pour moi! Pourquoi ne les partage-t-elle pas? La reine ne partage jamais rien! Oh non! J'ai cru entendre... Le valet de cœur! Il va essayer de chipper mes tartelettes! Vite, petit singe, donne-lui tes bottes rouges! Chapelier, donne-lui tes chapeaux! Dora, donne-lui ton sac à dos et aussi tes chatons. Il n'a qu'à prendre les chatons. Miaou! Non! Elle m'a encore dit non! Mais qui va prendre notre défense alors? Je vais l'arrêter. Il faut que tu dises « Shipper, arrête de shipper ». Allez, tous ensemble! Shipper, arrête de shipper. Shipper, arrête de shipper. Shipper, arrête de shipper. Oh mince! Dora a arrêté le valet de cœur. Elle a sauvé mes chapeaux. Et mes bottes. Et ma belle paille. C'est elle qui devrait être la reine. Oui, faisons la reine. C'est elle qui a pris notre défense. On veut que Dora soit notre reine. Yes, Dora. Impossible, elle ne porte pas de couronne. Comment pourrait-elle être reine? Une couronne, c'est une sorte de chapeau. Pas de problème, j'ai ce qu'il lui faut. La reine Dora! Vive la reine Dora! Queen Dora! Vive la reine Dora! Queen Dora! Vive la reine Dora! No, wait! Merci de m'avoir donné cette couronne. C'est un très grand honneur pour moi. Mais je ne suis pas une reine. Je suis une petite fille et je dois ramener mes chatons à la maison. Mais, et nous alors? On a besoin d'une reine qui nous protège, pas comme la dame de cœur. Je suis désolée, mais j'habite de l'autre côté du miroir. J'ai une famille et des amis qui m'attendent. Je veux rentrer chez moi. Oh. Mais vous avez entièrement raison de vouloir une meilleure reine. Votre Majesté, êtes-vous prête à faire des efforts? Pour devenir une meilleure reine? Monsieur le chapelier, la reine voudrait s'améliorer et devenir une meilleure reine. Pouvez-vous la conseiller? Bien sûr, mais il faut qu'elle change de couronne. Vous n'avez qu'à prendre la mienne. Elle vous sciera à ravir. Oh, comment vous sentez-vous, votre majesté? Oh, eh bien, je me sens... bien mieux, chat du Cheshire. Parfait. Merci, chapelier. Oh, et Rabbit, je vais avoir besoin que tu m'aides, toi aussi. Really? Yes, please. Apporte-nous les tartelettes. Et propose-en à tous mes invités. Hurrah!
Dora, prends la dernière, je t'en prie. Voyons, Votre Majesté, vous adorez ces tartelettes. Je ne veux pas vous en priver. Souviens-toi de ce que tu as dit. Une reine doit toujours penser aux autres avant de penser à elle-même. Vous avez vu, ce n'est plus la même reine, elle est changée. Je savais qu'elle en serait capable. Elle avait besoin d'une nouvelle couronne. Alors j'accepte, Votre Majesté. Mais ça me ferait vraiment plaisir de partager cette tartelette avec vous. Eh bien, une reine doit également faire son possible pour satisfaire ses sujets. C'est vraiment un délice. What's wrong, baby bear? J'ai faim, très faim. Écoutez, mon ventre, il gargouille. Oh! Hé, Dora, tu n'aurais rien à lui donner à manger? Si! Je crois que j'ai ce qu'il faut dans mon sac à dos. Peux-tu vérifier, s'il te plaît? Il faut que tu dises « sac à dos ». Sac à dos, sac à dos, sac à dos, sac à dos. C'est moi qui te suis à l'école, bourré de trucs et de bricoles. Tout ce qu'il faut pour la journée dans mon ventre s'est rangé. Sac à dos, sac à dos, sac à dos, sac à dos, ouais. Hello, I'm Backpack. Dora veut donner à manger à Baby Bear. Que peut-elle lui donner à manger? Un skateboard? Non! Et une jolie petite chaussette bleue, qu'en penses-tu? Oh, 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 non plus. Peut-être des framboises et des mûres, alors, qu'en dis-tu? Oui, très bien. Les ours en raffolent. Miam, 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 miam. It's delicious. Des fruits? Oh, j'adore ça. Qu'est-ce que c'est? Oh, oh, je crois que c'est Shipper, le renard. Ce coquin de renard essaie toujours de nous shipper nos affaires. Mais je ne le vois pas. Moi non plus. Tout ce que je vois, c'est un lit sur roulette. Mais regarde, ce lit avance tout seul, Dora. Oh, a bed, a bed, I love beds. J'ai bien envie de faire un petit somme. Attends, baby bear. Attends. Pourquoi? Qu'y a-t-il, Dora? Eh bien, je ne suis pas sûre que ce soit un vrai lit. Il y a un matelas, un oreiller, mais si c'est un lit? Non, baby bear. Regarde mieux, tu vas voir. Qui est caché dans le lit? Oui, c'est Shipper. Oh, il va essayer de shipper mes murs et mes framboises. Nous avons besoin de ton aide pour arrêter Shipper. Il faut que tu dises « Shipper, arrête de shipper ». Vite, dis-le avec nous. Shipper, arrête de shipper. Shipper, arrête de shipper. Shipper, arrête de shipper. Oh mince. Nous avons arrêté Shipper. Merci pour ton aide. Je vais enfin pouvoir me régaler. Délicieux. Vous en voulez? No, thank you. Non, merci. Oh, je me sens beaucoup mieux. Merci beaucoup. We're going to the bear's house. Where is it? Is it on the red path or on the blue path? The red path or the blue path? The blue path, right! Come on, ramenons vite Baby Bear chez elle. Sa famille l'attend pour commencer son gros dodo d'hiver. Yeah, yeah! Mamie, mamie! Oh, Baby Bear, je suis heureuse de te voir. Nous t'attendions, tu sais. Mamie, je te présente Dora et Babouche. Je leur ai dit que je devais rentrer pour hiberner et ils m'ont ramenée à la maison. Oh, thank you, Dora et Babouche. Et un grand merci à toi également. You're welcome. Pas de problème. On s'est bien amusé. Very good. À présent, rentrons, il est temps de s'endormir. C'est l'heure de faire un gros dodo. It's time to sleep. J'ai très envie de dormir, mamie, mais avant... Avant? J'aimerais bien que Dora me chante une petite chanson. Tu veux bien, Dora? Please, please, please. Yes, of course, baby bear.
Ma mamie m'a appris une berceuse. Elle me la chantait toujours avant que je m'endorme. Elle s'appelle Sweet Dreams. Ça veut dire fais de beaux rêves. Nous chantons Sweet Dreams. Chantons Sweet Dreams. 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 Le jour s'achève, mon tout petit repos.